Fallait que je fasse une intro. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, je suis chez moi. Voilà, c'était la dernière intro de cette semaine. Là, il est tard les enfants, il est quasi midi. Ouais, 11h52. Vous avez vu que hier, je me suis couchée tard. Enfin, vous l'avez pas vu si vous n'êtes pas sur Instagram. En gros, j'ai fini de nettoyer l'appart genre à minuit 30. Et bah, après, il a fallu monter la vidéo d'hier, donc je me suis couchée je crois à 2h30 du mat, un truc comme ça, donc là il est midi, voilà, j'ai bien dormi. J'ai été réveillée par le facteur parce que j'ai enfin reçu le colis qui était en retour chez moi, donc voilà, depuis le 28 juillet j'ai envie de dire qu'il est temps. Et un grand merci pour vos messages concernant Oreo, il va très bien, hein, c'est juste qu'il a été malade et je sais... Parce qu'en nettoyant mon aspirateur, robot, l'appart et tout, j'ai vu ce qui l'avait rendu malade. En gros, enfin je pense que c'est ça. En gros, pour vous expliquer un petit peu, quand mon père il vient, il lui apporte des os de jambon du boucher. Donc en gros, c'est des os avec autour du jambon que Oreo adore. Sauf que je me suis rendu compte qu'on lui en avait donné un vendredi, il a été malade samedi. Et que là, je lui ai donné le dernier avant-hier, et que hier, il a été malade, et que dans le caca que j'ai ramassé, hein, il y avait des morceaux d'os. Donc je pense qu'il ne supporte pas ça. Donc j'ai appelé mon père en lui disant, on n'en achète plus, c'est fini. Achète-lui, je sais pas, des trucs qui lui font plaisir, du jambon, tout court, mais pas d'os au jambon. Voilà, parce que va falloir que j'emmène, je pense, mon tapis au pré, parce qu'il n'y a que là-bas où j'ai un jet d'eau pour pouvoir le nettoyer, parce que là, c'est impossible, et ça m'embête de jeter mon tapis, qui est quasi neuf en plus. Enfin bon, bref, du coup, il est midi, l'ancien malade, on va aller le sortir. Ah, boubou, allez, on va faire pipi. Allez, on va faire pipi, on a dit. Et voilà, j'ai aucune idée si je mange ou si je déjeune, tiens. Peut-être qu'on va manger, je ne sais pas. Et aujourd'hui, le programme pour cette dernière journée ensemble, c'est qu'on va faire de la piscine. Parce qu'aujourd'hui, il fait 35 degrés. Donc voilà, on va pas aller voir les chevaux tout de suite. Il y a Capu qui passe la journée avec nous normalement. Et nous rejoindra la piscine. Et ce soir, en fin de journée, on va aller voir les chevaux. Et voilà, c'est parti pour cette dernière journée ensemble. Oreo, il s'est trouvé une copine Minimoy. C'est un chihuahua. Je trouve ça tellement moche, ces chiens. Ils sont très très laids. Mais bon, tant qu'elle est gentille. Elle est plus vive qu'Oreo en tout cas. Et on dirait qu'elle vient en balade avec nous. Non mais par contre, il fait déjà archi chaud. Genre là, il fait plus de 30, je pense déjà. L'appart va être fermé, au frais, avec le ventilo. Non mais là ma pauvre il fait trop chaud, il va pas jouer. Hein. Déjà qu'il joue pas de base alors... Enfin pas beaucoup. Bon après je m'inquiète pas parce que c'est pas une chienne perdue, errante ou quoi. Elle est à un des voisins qui habite en rez-de-chaussée. Et en gros la chienne elle est souvent en train de se balader. Enfin voilà, elle rentre chez elle et tout. Et donc là on dirait qu'elle va faire la balade avec nous. Franchement, vous trouvez ça beau vous? Moi je les trouve horribles. On dirait des aliens. Genre Mars attaque. Vous avez pas connu, je vous mettrai une photo. Après moi, je suis team gros chien. Un petit chien. Enfin un petit chien. Allez, on va faire pipi, caca, ce que tu veux. Draguer. Enfin non, elle est trop petite. Bon ça y est, on est rentré. Il a pas trop voulu se promener longtemps parce que bah, il doit avoir chaud. Et il s'est calé juste devant le ventilo. T'as bien raison mon petit chien. Bon si, je vais faire ça, enfin, à la piscine quoi. Ouh, la beauté. Bon bah du coup, il est midi 30, je vais manger. Pas de petit-déj, on va manger direct. J'ai chaud, donc ça va être encore des crudités. Voilà, on n'aura pas trop varié niveau menu cette semaine, mais en même temps, en été, c'est principalement ce que je mange. Enfin, je dis ça, mais je me suis quand même fait un McDo et hier une pizza. Mais à chaque fois, ça venait pas de mon idée, hein, donc voilà. Bon. Voilà ma grande assiette de crudités, ça va être trop bon. Enfin, je dis ça, mais il y a du jambon ici. Ça, c'est mon plat préf de vacances et d'été. Genre, c'est rapide à faire, c'est bon, c'est efficace, c'est frais. Voilà, on veut rien de plus en été, en tout cas moi. J'avoue, j'ai du melon, j'aurais pu en rajouter. Tant pis.
Bon, j'ai fini de manger, de regarder mes petites vidéos YouTube en retard. Il y a l'aspirateur qui est en train de passer. Et je l'ai nettoyé hier soir. Mais je vous avoue que l'odeur qui sort de cet aspirateur, elle est pas folle. Donc là, j'ai allumé les bougies parce que... voilà, de toute façon, je peux pas le nettoyer mieux que je l'ai fait hier. Et il faut qu'il tourne, je pense, pour que l'odeur petit à petit se barre de là-dedans. Et bah, là, on va partir à la piscine. C'est parti, je swipe sur mon téléphone. Bon, bah, c'est reparti pour une journée compliquée, hein. On est toujours à la piscine. Ah bah super, on voit tes boobs d'en bas. La vie est dure. Ouais, c'est le résumé de notre life là, ce temps-ci. Mais ça nous va plutôt pas mal. Après on va aller voir les chevaux, mais il va faire chaud. Il va faire beaucoup trop chaud. Mmh. Ouais, on va y aller tard. Hein. Oui. Mmh. Voilà. Encore de la piscine. Oui. Oui. En plus, ça masque plus d'enfants. Oui. Est-ce qu'on rejouerait pas à double du coup? Non, c'est mort, je fais que perdre. On peut pas jouer à un jeu où je suis forte. Je sais pas si je l'ai pris ou pas. Un Shifumi. Putain, on se voit pas. Bon, on fait Shifumi, hein. On voit la youtubeuse. 1, 2, ok. Ouais, j'étais partie, moi. Oui, normal. Allez, c'est parti. Ça commence, on est... 1, 2, 3. Non. Le début est dur. On va pas réussir à le faire. Shifu et on donne. Bi. Biche. Shifu et Ami, ouais, on ouais. Le fait. 1, 2, 3. Shifu. Allez, bim, c'est mort. Non, mais il n'y a pas de puits. Mais bien sûr que si, il y a un puits. Eh, il y a un puits. Non, on commence pas avec ça, il n'y a pas de puits. Il y a un puits. Jamais, tu rigoles quoi? Jamais il y a un puits. Mais d'où il n'y a pas de puits? Shifu, mi, c'est feuille. Cuillère, feuille, ciseaux. Non, mais on peut pas faire qu'il y a pas trois de puits parce que le puits. Et... il nique deux, bah oui. Deux objets. Mais c'est bien pour ça que non, 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 non. Il n'y a pas de puits. Dites-lui qu'il n'y a pas de puits. Non, arrêtez ça. Bon jeu de merde. Un, encore. Deux, trois. C'est quand même moi qui gagne. Hein. Oui. Voilà. C'est bon, je me rendors. Allez. Je lui ai dit de tomber la tête la première dans l'eau, comme une limace, de se laisser pouf. Moi, je trouvais un lézard, ok. Comme un lézard. Merci. Alors, c'était pas hyper gracieux, mais je n'ai pas eu. C'était peut-être une limace, effectivement. Bon, du coup, fini la piscine. On est rentré à l'appart, il y a quoi? Il y a 20-30 minutes. Là, il est bientôt 8h. Je vous ai pas montré ce qu'on a fait parce que je ne peux pas. Un indice, elle a pété. J'ai fait un gros... Voilà, t'as pété. Tu pètes tout le temps. Moi, je vois que toi, tu pètes. Là, t'as vraiment pété. Moi, j'ai fait un gros prout. Et là, on part aux chevaux. Voilà. Bon, du coup, on vient d'arriver au poney. Moi, je brosse quand tourne. Oui, on voit qui est le préféré. Et après, on part en balade. Bah ouais, Capu sur Quantum. À cheval. Et moi avec Saf. Non, en vrai, on a quelques petites choses à faire qui vont être marrantes. Je vais vous filmer un truc de Saf et Capu, ça va être très marrant. Enfin, nous, en tout cas, ça nous fait beaucoup rire. Et ce petit cul, on va l'utiliser un petit peu, mais pas pour grand-chose. Alors, oui, bah attends. Début des bêtises. Avec un protège-sel. On met bien. Parce oui. Que... Saphir et moi, on a fait des bêtises aussi, mais ça, j'ai pas pu vous le filmer. Pour pas attacher le petit short. Ouais. Bah ouais. Allez-y, vas-y, vas-y. Rigole. Ça va être tellement nul. Est-ce que t'as besoin que je t'aide pour la... pour pas tomber? Au pire, je me fais le deuxième genou, c'est pas grave. Waouh! Ça, j'ai regardé. Faire de l'escalade avec ça sur le dos. C'est corset. Ouf, ouf. Saphir. Nous sommes amis. Bah, Saphir, on a fait tellement de choses. Moi, j'attends toujours qu'Apu m'achète ce costume dinosaure. Pas sur celui-là. C'est les appels de Tom Schneider. Non, biche. Très bien.
Oui, super. Super ça, bonhomme. Très bien. Encore un tout petit peu. Une fesse. C'est bon, j'ai un paddle sur le dos. Regarde, je suis déjà en moitié en grand écart. Ouais. Elle a peur. Alors que j'ai fait des photos avec Saphir et des ailes accrues. Je suis détendue. Ça va ? Je suis détendue, oui, ça va. Je suis totalement rassurée. Je suis rassurée. Je suis rassurée. Je sais que je me pisse dessus pour rien. Moi. Mais je sais que t'es une trouillarde. Oui, mon chat. Non, c'est pas mon chat. Bah, c'est Minou. C'est Minou. C'est notre sorte oui, de chat. Oui, oui. Bon, je vais vous montrer ce qu'on est en train de faire avec Apu. Elle a pas de bombe, c'est normal, c'est une photo à l'arrêt, donc commencez pas à donner des critiques sur la bombe. Là, j'en veux pas parce que il ne se passera rien. Mais en fait, elle a besoin de faire cette photo pour Décathlon. Je vous montre. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire ? Est-ce que j'assume ça ? Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, en gros, elle veut faire, enfin, elle fait un concours avec Décat. Je fais du paddle. Sur sa fou. Voilà. Parce que pourquoi Saphir et pas Bali ? Bah là, il y a plusieurs raisons en fait. Bali, je peux plus monter dessus, là, mal au voilà. Pied, donc on va le laisser tranquille. Déjà, il y a en convalescence et que Bali, avec tout ça, pas sûr. Je suis sûre qu'il aura apprécié la rame. Ouais, c'est ça. Alors que Saphir, bah voilà. Hein. On sait que Saphir, il ne se passe rien. Voilà. Bon, bah ciao. On veut montrer le paddle à Quantum, mais il n'y a pas trop de réaction pour l'instant. On veut qu'il sente. Et là, je fais... Ah non. C'est bien, ça, petit cheval. Comment désensibiliser un cheval en lui courant? Non, oui, il est mort. Je vois pas. Quantum, 300 bien, euros. Ça. Est-ce que je peux te faire un câlin avec mon paddle? Il est seulement si je peux bouffer le paddle. C'est bien, ça. Voilà, Capu me désensibilise Quantum au paddle. A priori, c'est pas prévu qu'on fasse du paddle avec Quantum, mais on sait jamais un jour ou l'autre. Ah, Quantum! Tu veux faire ça? Oui, super! Elle est chelou, elle. On mord pas. On mord pas, sinon ça fâche. Et hop là! Et hop! Hop là! La je ne le ferai pas sous le ventre. Non. Bon, là, les chevaux sont bien évidemment en train de manger. Regardez. C'est bien évidemment bon, ça, mon chat. Bah oui. Et bien évidemment, il a mis son seau encore partout. Voilà, il a voyagé. Mais c'est cool. Il a été très sage avec Capucine, lui aussi. Vous verrez ce qu'il a fait d'ici quelques temps. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore quand. Bon, les loulous, j'espère bien évidemment que cette vidéo vous aura plu. Je vais arrêter ça ici parce que là, il doit être quoi, Capu, 21h ? Ouais. Oui, je pense. Hein. 21h30 ? Attendez, je vous dis. Oui, 21h21. C'est beau, hein? J'aurais voulu le faire, je n'y serais pas arrivée. Donc je pense qu'il est temps de clôturer cette semaine de vlog avec nous. Bien évidemment, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Est-ce que vous avez deviné qui j'ai imité aujourd'hui? Je pense que oui, et en fait, pour tout vous dire, je voulais placer des bien évidemment toute la journée, sauf que bien évidemment, j'ai oublié ce matin. Parce que cette dame là qui n'arrive pas à mettre sa chaussette. Qui dit bien évidemment tout le temps. Bah on se demande. Qui ça? Bah je ne sais pas. Donc c'est sur ces dernières images bien évidemment que je vais vous dire au revoir. Un grand merci d'avoir été là chaque jour pendant une semaine. Moi je vais partir en vacances, voilà, pendant quelques jours. Et bien évidemment je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Non, c'est quoi que tu dis toi? Et c'est sur ce qu'on arrête cette petite vidéo. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut !